Pour le plus gourmand des enfants. Gourmand. Tu n'en donneras pas idée, il n'est pas assez sage. Ah bon? Oh, Enzo il a choisi un millefeuille. C'est un gourmand. À chaque fois qu'on va à la boulangerie, il faut qu'on lui prenne une petite pâtisserie. Et il est gros hein, celui-ci, on va pouvoir le partager hein. Mais je vais le partager quoi avec papa? C'est toi qui aimes bien dans le millefeuille, non? Au début, vous voulez prendre une tarte aux fraises et après il a dit ah non, le millefeuille. Ça va être pas de bêtises, ok? Mercredi, j'espère que vous allez bien. Donc on reprend la série des Wikivlogs cette semaine, mais je pense très honnêtement que ça va pas durer parce que là avec le début de la saison, ben, je vais malheureusement rien avoir de vraiment très intéressant à partager. Mais par contre ma chaîne sera toujours alimentée avec au moins une à deux vidéos par semaine. Voilà, je vais essayer de faire quelques vidéos. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi une night routine d'été comme j'avais fait celle de l'hiver, sauf qu'elle n'a rien à voir avec celle de l'hiver, mais vraiment rien à voir. Donc je me dis que ça peut-être être sympa, je sais pas si je vais avoir le temps, mais j'aimerais beaucoup vous la faire. Donc sinon là, il est 10h et à 11h30, il faut que je sois revenue, on va aller au magasin de jouets avec Isaïe. Il fait des bêtises. Enzo cet après-midi est invité à l'anniversaire d'un copain. Donc on va aller acheter un cadeau. Et je vais aussi acheter un cadeau pour les 1 an du bébé à nos amis. Voilà, qui a eu 1 an. On est invité dimanche soir. Donc faut que je lui trouve aussi un petit cadeau. Comme d'habitude, j'ai pas trop d'idées sur ce que je vais prendre. Donc voilà. Oh, c'est rien mon amour. C'est rien mon bébé. Vient de tomber. C'est rien. Oh, le petit trésor d'amour. Petit trésor. Bon, je ne sais pas quoi prendre pour le bébé. Quoi, bébé? Je sais pas. Isaïe veut tous les jouets là. C'est pas pour toi, mon amour. Alors, je serais partie, c'est un monsieur patate. Je sais pas lequel. Alors voilà, j'ai trouvé ça pour le petit de nos amis. Avec des cubes comme ça, il y a un gros camion. Donc je pense qu'il va être content s'il ne l'a pas. Et ça, j'ai pris pour le copain d'Inzo. Et ça, c'est la surprise pour Inzo. C'est son cadeau de fin d'année. Anniversaire du copain Enzo. Tu es parti? Les pâtes à cuire et après vous allez manger, d'accord? C'est Tchoupi? Oh, t'as le nez qui coule, bébé. C'est Tchoupi? C'est où Tchoupi? Non, mais la Tchoupi qu'il a dans les mains, il est. Oh, Tchoupi. Oh, tu fais un câlin à Tchoupi. T'es Mickey? Non. Non? Non. 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 Que
coucou à tous. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi et j'ai été récupérer Inzo à l'école. La maîtresse m'a dit non mais Inzo il était très fatigué aujourd'hui. Je lui ai dit je sais pourquoi. Hier soir à 10h30 du soir, Inzo ne dormait pas. Je pense qu'il était tellement excité de sa journée qu'il avait passé avec ses copains que du coup voilà, il était trop énervé et il n'arrivait pas à trouver son sommeil. Donc je vous avoue que ça m'a un petit peu agacée hier soir, que j'ai un petit peu crié quand même, voilà. En plus il n'arrêtait pas de se lever sous prétexte qu'il avait envie de faire pipi, sous prétexte qu'il avait envie de boire, enfin bon. C'était pas la soirée hier soir et évidemment ben, ce matin à 8h il n'arrivait pas à se lever et encore je l'ai réveillé à 8h25, il n'arrivait pas à se lever et là ben, voilà, la maîtresse m'a dit qu'il était très fatigué donc... Bon sur ce, ça y est, demain c'est les vacances scolaires, déjà, c'est un truc de fou, c'est passé trop vite l'année. Bon sinon, je voulais vous parler de ce sac que j'ai reçu via Octoly. Vous savez l'autre jour je vous ai parlé de la crème solaire, donc voilà c'était la fluide de Aderma. Je vous avais dit ouais je me suis fait un petit peu bananer parce que j'étais censée recevoir ça et trois autres produits, j'en avais reçu qu'un sans le sac, donc je me disais chelou. Et en fait non, ils m'ont bien renvoyé le reste. Donc du coup voilà, il y avait la fluide très haute protection 50+, donc celle-ci je peux l'utiliser également pour les enfants, hop, que j'avais essayé et testé sur ma main l'autre jour. Depuis je l'ai utilisée à la mer. Ça va, elle est pas trop mal, c'est pas non plus la mieux parce que je trouve qu'elle laisse un petit peu des traces blanches quand on sort de l'eau, mais il y a pire quoi, franchement il y a pire. Ensuite par contre ça j'adore, c'est le spray très haute protection, 50+ également. Et le spray c'est super pratique, en plus celui-ci s'applique très facilement, voilà j'aime beaucoup ce spray. Il y a la crème très haute protection, alors... Je vous avoue que je sais pas trop la différence avec la fluide très haute protection, donc évidemment celle-ci doit être plus fluide. Et celle-ci c'est la crème, voilà, 50+, peut-être plus pour le visage celle-là, résistant à l'eau. Et ensuite il y a le lait réparateur après soleil, c'est un très grand format. Donc celui-ci je pense qu'il va nous faire tout l'été, mais j'aime beaucoup et j'adore la marque Aderma. Je vous ai d'ailleurs fait une routine soin il y a très longtemps, mais j'utilisais ça, c'était ma routine soin, donc je vous mets la vidéo en haut si vous voulez aller voir. Et donc du coup avec, c'était livré avec ce grand sac en osier que j'aime beaucoup, en orange comme ça, il y a une petite pochette ici. Donc voilà, agréablement surprise parce que je pensais qu'il allait être tout petit et puis en fait voilà, pour vous donner un aperçu quand même, il est bien costaud. Bon je vais vous laisser parce que j'ai Inzo qui m'appelle, il était en train de regarder un petit dessin animé mais son frère il a débranché quelque chose derrière la télé, je sais pas comment ça se remet. Oui, à plus tard. Dernier matin d'école. Inzo, t'es content? T'as pas trop chaud? Genre il fait 25 degrés, il a voulu mettre sa veste. Coucou, regardez qui c'est qu'il y a. Coucou Audrey. Coucou. Coucou Timothy. Oui, oui, ils sont bien chez moi. Nous sommes pas au Mexique, nous sommes pas en Amérique ou je ne sais où. Belle est bien chez moi. Et j'ai eu la chance de découvrir le camping-car en VIP. Et ça va pas être mal, hein, je pense, là, les prochains mois. Ça devrait être sympa. Bon, re-coucou. Alors, il est bientôt 8h. Et en fait là on va aller manger un barbecue avec donc la Family Cost. Vous avez vu un extrait juste avant où ce midi Audrey elle est venue manger chez moi. Donc voilà, on les a rencontrés, enfin moi je les ai rencontrés, si t'as rencontré Audrey pas encore Sébastien. Et en fait je leur ai trouvé un emplacement pour la nuit. Ou peut-être plus, s'ils veulent rester plus, ils verront bien. Et voilà, et du coup bah, on a sympathisé et puis on va manger un barbecue ensemble ce soir. Donc je suis super contente. Thank you.
Re-coucou. Donc vous avez vu dans les images précédentes que j'ai rencontré la famille Coste. Donc je vous mets leur lien de leur chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à les voir, à les encourager. Enfin voilà, à liker leurs vidéos et à partager et à vous abonner parce que c'est vraiment hyper intéressant. Moi je suis leur première fan, je les suis depuis leur début. Ils sont adorables, très fidèles à leurs vidéos et voilà, c'était chouette. Inzo il a rencontré Eleanor qui a un an de moins et qui est tout adorable. Timothy, parce qu'ils ont deux enfants pour rappel. Enfin voilà, c'était vraiment super chouette et c'est ça aussi YouTube, c'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Le cadre il est un peu pourri là, je suis derrière le parc d'Isaïe qui s'est enfui d'ailleurs. Bref, bon je vais conclure le Wikivlog ici. Sachez que c'est la dernière semaine parce que là franchement j'ai commencé le travail et c'est juste pas jouable de filmer. Ce qu'on fait c'est que je vais publier des vidéos sur ma chaîne, une à deux vidéos par semaine jusqu'en septembre et à partir de septembre je pense reprendre les vlogs. Si vous êtes au rendez-vous, si ça vous plaît, si j'ai du contenu un minimum intéressant, mais bon au mois de septembre il y aura notre voyage en Corse donc voilà ça va forcément être un petit peu plus sympa. Je fais une petite pause mais je reviens très très vite et j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite à tous de très 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 bonnes vacances. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Tu passes chez les grands. Alors maman, t'as acheté un cadeau. T'es content? Oui, on va l'ouvrir. C'est lui? Oui. Alors... C'est quoi? C'est quoi? Des Playmobil. Comment tu sais? Je vois ça. Ah, bah, je sais pas alors. Ouh. Wow. Des Playmobil. Wow. Wow, c'est des Playmobil là. Ouais. Alors, en bas de hein, une voiture comme ça et... Une remorque. T'es content? On l'ouvre maintenant? Si tu veux. Allez, je vais monter tout ça mon gars. Merci maman. Fais-moi voir bébé. Oh là là. Oh les muscles.